Salut à tous et Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un tout nouveau glitch en solo. Donc en tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 22 200 abonnés, c'est juste énorme. Go Rush, les 22 300 abonnés, je compte sur vous la team. Donc, pour pouvoir commencer donc ce petit glitch, vous aurez besoin d'avoir donc un bunker comme moi, d'accord, avec à l'intérieur donc un centre d'opération mobile, d'accord, et à l'intérieur vous devrez mettre une Elegy RH8 dans votre centre d'opération mobile, ok. Vous devrez aussi avoir un appartement de PDG. On va sur le site du coup Dynasty 8 exécutif qui est juste ici, et là il faudra acheter donc peu importe l'appartement. Lui, l'un des quatre, d'accord. Peu importe, de toute façon, ils marcheront tous. Faudra juste avoir un appartement de PDG, ok. Donc moi, perso, c'est la Maison Banque Tower, d'accord. Donc voilà. Vous devrez aussi avoir donc le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc moi, c'est là ici anticipation, et vous le mettez donc peu importe le garage. De toute façon, tout le garage marcheront, d'accord. Donc peu importe, de toute façon, où il est. Vous devrez aussi avoir des encas, donc des encas pour vous suicider, ok. Donc vous allez soit dans une supérette, donc par exemple qui est juste ici, ou soit vous allez dans votre complexe et vous achetez des encas. Donc vous prenez par exemple soit des cigarettes pour vous suicider, ok. Donc par exemple comme moi, vous avez vu, j'ai des cigarettes. Ou soit vous prenez des pissoisseurs, donc c'est des bières. Donc après vous serez bourré et après vous serez mort, d'accord. Donc voilà. Donc vous prenez soit des pissoisseurs ou soit des cigarettes, d'accord. Donc vous devrez aussi être en session sur invitation comme moi, d'accord, avec un mode de visée libre ou mode de visée assistée, peu importe, les deux modes de visée marcheront, ok. Donc une fois tout ceci préparé, vous êtes prêts? Alors c'est logique, c'est parti, let's go. Allez hop, donc là pour commencer on rentre dans le bunker, après on rentre dans le centre d'opération mobile. Donc là vous aurez un écran noir et après vous allez spawn dans la remorque du centre. Donc là on monte dans la Elegy RH8 et on fait le bouton R2 pour sortir du centre, d'accord. Donc là vous aurez un écran noir et après vous allez spawn dans le parking du bunker comme moi. Donc après on sort dehors avec la Elegy RH8. Donc après, une fois sorti dehors, là on re-rentre dans le bunker, d'accord, et on re-rentre dans le centre avec la Elegy RH8, d'accord. Donc là vous aurez un écran noir et après vous allez spawn dans la remorque du centre. Donc là on remonte dans la Elegy RH8. Donc là faudra attendre que le moteur soit bien allumé. Après on fait le bouton option pour ouvrir son menu pause. On va dans en ligne, on descend en bas et on clique sur pack d'entrée, d'accord. Hop, on clique sur pack d'entrée et maintenant vous allez faire une petite manipulation, donc écoutez-moi bien attentivement. Donc là vous allez faire le bouton croix pour acheter, et dès qu'on fait le bouton croix pour acheter, on fait le bouton R2 et le bouton L2 quasiment en même temps. Après on fait le pavé tactile et on fait le bouton triangle, d'accord. Donc Alp, je me répète, on fait le bouton croix pour acheter, après on fait le bouton R2 et le bouton L2 juste après. Et après, on fait le pavé tactile et le bouton triangle. D'accord? Donc, c'est parti. Là, on le fait ensemble. Ok? Donc, on clique sur acheter avec le bouton croix. Et directement après, on fait le bouton R2 et le bouton L2. Pavé tactile et bouton triangle. Ok? Donc là, je me suis raté. Donc, c'est pas grave. Si vous vous ratez, on recommence. Donc là, hop, on remonte dans le véhicule. On fait le bouton start en ligne. On fait pack d'entrée. Et là, on recommence. On fait bouton croix, L2, R2, pavé tactile, bouton triangle. Et vous avez vu, ça a bien fonctionné. Et pour savoir si ça a bien fonctionné, regardez, on voit mon petit véhicule dans le centre, le petit icône du véhicule dans le centre d'opération mobile. Du coup, ça a bien fonctionné. Ok. Donc, maintenant, on va dans inventaire, on va dans encas. Et là, faudra mourir. Donc, par exemple, on boit des bières et après vous mourrez. Ou soit, on fume des cigarettes. Donc, peu importe. On prend lui qu'on veut. Donc moi, je préfère mourir avec les bières. Ok, donc voilà. Hop, je bois, je bois, je bois. Et après, vous allez voir que je vais mourir. Hop, je tombe par terre. Tac, écran noir.
et après vous allez spawn dehors. Donc hop, une fois spawn dehors comme moi, là vous allez faire le bouton start et voir si votre véhicule est bien au niveau du dock. Donc moi c'est bon, ça a bien fonctionné, mon véhicule, bah ma Leggy RH8 est bien au dock, vous avez vu. Donc maintenant, là on va se diriger au niveau du pont à côté du LS Custom qui est juste ici. D'accord, donc là hop, on met un petit repère et après on s'y rend au niveau du pont à côté du LS Custom. Donc après, une fois arrivé, on fait le pavé tactile, on va dans véhicule imposant et on demande le centre d'opération mobile, d'accord? Donc après, une fois que la spawn, donc là on va le chercher, tac, on monte dans le centre et après on met le centre en dessous du pont à côté du LS Custom, d'accord? Donc allez hop, là on roule, on descend la rue et après directement on tourne à droite en dessous du pont, comme moi, tac, voilà. Donc après on tourne à droite pour aller juste ici dans le parking, voilà. Et là faudra mettre le centre au niveau des quatre poteaux qu'il y a juste au milieu, vous avez vu les quatre poteaux. Donc là faudra mettre le centre entre les quatre poteaux, ok. Donc là hop, on rentre le centre, voilà, on le met entre les quatre poteaux. Et après faudra mettre donc les premières roues de la remorque sur la route et pas sur la petite marche, d'accord. Donc là vous avez vu, moi c'est mal placé du coup. Si c'est mal placé comme moi, là c'est pas grave, on remonte dans le centre et on les place bien. Du coup on met que les premières roues de la remorque sur la route et pas sur la marche comme vous avez vu. Vous les mettez comme moi, ok. Donc après on descend de la remorque et là faudra appeler votre véhicule que vous voulez dupliquer. Donc moi j'ai appelé ma ici anticipation, mais vous vous appelez le véhicule que vous voulez, ok. Donc moi hop, ma ici à la spawn, du coup on monte dans le véhicule et là on va voir la plaque. Du coup moi la plaque elle se finit par 66, vous avez vu. Du coup hop, après on prend là ici et vous la mettez donc pareil que moi, au même endroit que moi, donc à côté du centre, vous avez vu, on la met juste ici. Donc après on descend du véhicule, après on monte dans le centre, d'accord. Donc alop, là on descend du véhicule et après on monte dans le centre. Et une fois monté dans le centre, on fait longtemps la flèche droite, donc pour décrocher la remorque. Donc alop, on fait longtemps la flèche droite, comme ça la remorque se décroche. Après on court vite dans le véhicule, on monte dans le véhicule et on va à l'arrière de la remorque. Et là faudra faire la flèche droite et spammer votre bouton croix. Donc moi ça n'a pas fonctionné, vous avez vu, je n'ai pas de rond bleu. Du coup si ça marche pas comme moi, ce n'est pas grave. Là vous replacez votre véhicule comme moi, tac, voilà. On descend du véhicule, on monte dans le centre. Et après vous allez prendre votre remorque qui a spawn juste à côté de vous, d'accord. Elle a spawn sur la route juste ici. Donc là alop, on prend la remorque, on revient sous le pont et on remet le centre en dessous des quatre poteaux, vous avez vu, entre les quatre poteaux. Donc là on voit bien que les roues sont bien placées. Du coup si les roues sont bien placées comme moi, c'est bien. Du coup là on remonte dans le centre, on fait longtemps la flèche droite pour décrocher la remorque. Après on court dans le véhicule, on monte dans le véhicule et on va vite à l'arrière du centre. Et une fois arrivé à l'arrière du centre, on fait la flèche droite et on spamme son bouton croix. Donc alors là on spamme son bouton croix. Donc là vous aurez un écran noir et après vous allez spawn sur la route, d'accord. Donc là vous allez voir, boum, on a spawn sur la route et vous avez vu la plaque, elle a changé maintenant. Elle commence par 05. Elle a pris la plaque de la Leggy RH, du coup c'est bien une duplication. Donc maintenant on met le véhicule dans le garage de PDG comme moi. Donc voilà. Donc après, une fois arrivé dans le garage du PDG, on fait la flèche de droite, donc pour modifier votre véhicule comme moi. Ok. Et maintenant on va changer donc par exemple la plaque, comme ça votre véhicule sera bien enregistré dans votre jeu. Et après donc là vous pourrez enchaîner autant de fois que vous le voulez. Donc pour enchaîner c'est très simple. Donc là hop, on quitte l'atelier et après donc là vous allez ouvrir votre téléphone, aller sur le site internet, on va sur le site Legendary Motorsport, on fait trier par prix et on commande la Leggy RH8 dans le centre d'opération mobile, ok. Donc après vous pourrez enchaîner la manipulation autant de fois que vous le voulez. Donc pas besoin de se rebugger, ok. On se bug que la première fois et après on peut enchaîner autant de fois qu'on veut, ok. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Go Rush, les 22 300 abonnés, je compte sur vous la team. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay,
sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!